Hosanna Bukole, Alléluia. Hosanna Bukole, Alléluia. Hosanna, Hosanna Limango, Alléluia. Hosanna, Hosanna Limango, Alléluia. Hosanna Maombi, Alléluia. Apporter une certaine réflexion au sujet de votre vie. Je veux que tous ceux qui me regardent comprennent ce que Dieu a fait pour vous. Dieu prend soin de ses enfants plus que nous ne prenons soin de nos enfants. N'oubliez pas que Jésus-Christ a dit dans sa parole, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. C'est écrit. Vous qui êtes méchants, vous savez donner de très bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le désirent. J'aimerais vous dire que lorsque vous servez Dieu, comprenez quelque chose qui est très important. Dieu n'est pas là pour résoudre vos problèmes. Ah oui, Dieu ne vient pas dans ta vie et se rend compte que tu as des problèmes. Il faut qu'il puisse les résoudre, non. Dieu existe avant tes problèmes. Dieu a accompli toutes choses avant même que tu ne sois dans les problèmes. Regardez Moïse. Avant que Moïse ne se présente devant Pharaon, Dieu lui avait déjà donné un bâton. Le jour que Moïse se présente face à Pharaon, le bâton était là pour répondre à n'importe quelle adversité qui Pharaon. En réalité, où vous êtes, vous avez tous les éléments nécessaires qui rendent témoignage que Dieu a déjà tout accompli. C'est ce qu'on appelle, lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix, il dit « tout est accompli ». Tout ce dont Moïse a besoin, c'est de se présenter devant Pharaon avec le bâton. C'est ce qu'on appelle la foi. Dans le bâton de Moïse, le problème de Pharaon est déjà résolu à travers ce bâton. La mer Rouge est déjà résolue à travers ce bâton. Donc, prenons conscience que le bâton a existé avant le problème. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit dans le départ, Dieu n'est pas là pour venir régler vos problèmes lorsqu'il vous trouve en difficulté. Toutes les difficultés que vous avez dans votre vie ont été déjà résolues avant même que vous-même, vous ne puissiez exister. Si nous partons dans le jardin d'Éden, Dieu crée le ciel et la terre. Écoutez ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Regardez ce que Dieu fait le premier jour. Le premier jour, Dieu crée la lumière, il crée la nuit. Il les sépara. Vous savez que l'homme dort la nuit et il travaille la journée. Adam et Ève n'ont même pas encore été créés que Dieu a déjà pourvu à leurs besoins de sommeil. Que lorsque ces gens viendront en existence, ils auront besoin de dormir et ils auront besoin de travailler. Dieu n'a pas attendu qu'Adam et Ève se retrouvent dans le jardin et disent, ben, écoute, on a sommeil. Et Dieu se dit, tiens, il faut que je crée un jour et je crée une nuit. Dieu crée le jour et la nuit avant même. Dieu crée les animaux. Dieu crée des fruits. Dieu crée tout ce qui était nécessaire pour l'homme. Donc, Dieu va créer la nourriture avant que l'homme n'ait faim. Non, ce n'est pas au moment qu'Adam et Ève vont commencer à se promener dans le jardin et dire, oh, nous avons faim,
que Dieu dira, mais tiens, Adam et Ève ont besoin de manger, il faut que je les trouve à manger. Avant qu'Adam et Ève ne viennent en existence, il y avait déjà la nourriture devant eux. Est-ce que tu peux comprendre le Dieu que nous servons, le Dieu que le bishop Sylvain Edson prêche? Il a pourvu toutes choses pour toi avant que tu ne l'aies même dit oui, avant que tu n'aies même accepté Jésus. C'est la raison pour laquelle je te dis que le problème que tu es en train de traverser est un petit problème et ça ne doit pas te faire trembler car tu vas triompher de ce problème. Tous les problèmes qui sont autour de toi le savent, le diable le sait, que Dieu a tout résolu avant que le problème ne se pose devant toi. La maladie dont tu es victime dans la chair en ce moment, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Voilà pourquoi je demande que la grâce de Dieu soit avec toi, la puissance du Saint-Esprit soit avec toi. Je suis le bishop Sylvain Etan, ton humble serviteur et ton papa. Je peux déjà te rassurer, te confirmer et te dire que Jésus-Christ a tout résolu pour toi. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Dieu est au contrôle de toutes choses. Impossible ne sera plus impossible dans ta vie. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen, amen et amen. Ciao. Adama pepe ma bete le melinga na kobanga te intervention rapide ya bomo inanga se o Yesu papa nanga.